Je tiens à vous dire, Galette, je tiens déjà à vous souhaiter la bienvenue à Abu Dhabi, comme je suis installé à Abu Dhabi. Et ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que ce soir, il y aura beaucoup de cadeaux. D'ailleurs, je dois ramener la feuille de cadeaux, si vous permettez. Voilà. Donc, il y aura une vingtaine de cadeaux qui seront distribués ce soir. Et on va les distribuer vers la fin. Voilà. Et le tirage au sort se fera à travers l'intelligence artificielle. Et on va expliquer plus au cours de ce webinaire. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier énormément l'Hanan ou Aziz. Je tiens à lui souhaiter tout le bonheur du monde avec une très, très bonne santé. Et je la remercie parce que ce qu'elle vient de faire est exceptionnel. Parce que cette initiative, elle est vraiment exceptionnelle. Hein. Ça montre que l'Hanan a un grand cœur. Un cœur de partage, un cœur qui aime donner à l'autre et à partager avec l'autre. Et ça devient de plus en plus rare de nos jours, mais le partage, c'est une valeur que nous devons tous nous engager à avoir dans notre quotidien. Alors, je m'appelle Fouad Merali. Hein, où je dis qu'il a grandi à Casablanca. Donc, comme étude, j'ai fait l'EST d'Oujda comme technicien en informatique et gestion des entreprises. J'ai fait SUB de Marrakech. J'ai fait un DESS en marketing à l'UAE Toulouse. Et j'ai obtenu mon MBA des Ponts et Chaussées à Paris. Côté coaching, donc je suis membre de la Fédération internationale de coaching. Je suis en train de préparer ma certification PCC. Amine, je suis désolé, mais je vais. C'est possible de. Voilà, de mettre en sourdine. Merci beaucoup. Et merci pour ta présence, Mohamed Amine. Et voilà. Et donc, je suis aussi coach de scène. Donc, je suis en train de préparer pas mal de séminaires sur scène, sur le développement personnel, soft. Et à Abu Dhabi, j'ai un cabinet de conseil et d'accompagnement et une société d'événementiel pour justement organiser les séminaires de développement personnel. Et aussi une société d'import-export. Et je suis votre antenne ici. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis à votre disposition. L'Hanan, ça a été pour la présentation. Tabarakallah alayka si Fouad. Je te félicite vraiment pour tout ce que tu fais. Tabarakallah alayka. Et merci pour tous les jolis mots que tu as dit. Ma part, merci beaucoup. C'est généreux de ta part. Merci beaucoup. Je n'ai dit que d'accord. De ce que je dois dire en principe. Alors, avant de commencer, ça ne sera pas un webinaire muet ni aveugle, parce que là, nous sommes dans un webinaire aveugle. Pourquoi? Parce que toutes les caméras sont éteintes. Voilà, merci. Même si vous n'êtes pas maquillé, croyez-moi que vous êtes les plus beaux du monde. Et dans mes yeux, et dans vos yeux aussi. Voilà. Voilà, c'est bien de voir comme ça des visages. Ah, oh, c'est Abkader, marhaba. Marhaba, marhaba lala marwa, marhaba lala diya. Marhaba, c'est Abdelmoula. Mais vous cachez toute cette beauté, c'est incroyable. C'est incroyable. S'il vous plaît, vous allumez vos caméras. Ah, oh, c'est Amin Mohamed. Marhaba, c'est Mohamed Amin. Allez, Lala Fatima, Lala Asma, Lala Fatima Ashtouk, on te connaît, vas-y. Meizar, mais n'importe quoi, moi on te voit. Lala Majda, Lala Nora, Lala Asma, Sidi Saïd Sharqi, Rabi'a Mohamed Tver. On ne sait pas si c'est Rabi'a ou Mohamed, entre nous, parce que nous savons. Nous savons, nous disons Madame Rabi'a ou Monsieur Mohamed. Sidi Rachid Khalil.
La la rabia, m'sarfin. FZ, allume. Alors, je ne vais pas commencer si pas toutes les caméras sont allumées. Hein? On aimerait bien voir les visages. Parce que, croyez-moi, ce soir, il y aura un changement dans nos vies, à nous tous. Même moi, il y a énormément de choses qui vont changer. Parce que les gens qui sont ici, ils sont là pour un objectif. Et nous allons tous atteindre cet objectif et même mieux. Regardez Sirachid, même s'il est dehors, il a allumé sa caméra. Merci beaucoup, Sirachid. FZ, Lala Rabia, fond de Karima. C'est Saïd Sharqi. ماشي ماشي مشكل واخا تلقاو ونشوفوا الظلام ماشي مشكل المهم راك معانا نحسو بك سي با غراف لاله ربيعه الوم نشوفوك واخا كديري السبور بالعكس اون فا بارلي انورمومون على السبور سي مصطفى لا نورا لاله مجده لاله اسماء نجاة المراحي سي تري بيان لاله فاطمه الوغ Ce soir, nous allons parler de la roue de la vie. La roue de la vie. Parce que notre vie, elle avance. Notre vie, elle avance. Et le temps passe vite. Nous sommes bien d'accord, vous êtes d'accord avec moi. Les gens qui ont dépassé les quarantaines, ou bien les cinquantaines, ils vont me le confirmer. Ils vont me dire... Hier encore, j'avais 20 ans. Et ils vont la chanter avec amour et avec nostalgie. Et les gens qui ont 20 ans vont dire, waouh, hier encore, j'étais au primaire. Classe, les gens qui ont 70 ans, quand ils vont commencer à parler, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de souvenirs. Et si on leur pose la question, alors qu'est-ce que vous avez réalisé dans votre vie? Ils vont dire, bah, vous savez, j'avais des rêves. Hein. J'ai fait énormément de choses. Des fois, c'était programmé. Des fois, c'était au pif. Alors, si c'est à refaire, alors là, la personne, elle commence à dire, bah, peut-être je devais faire cela. Peut-être que je devais marier de notre voisine. Peut-être que je devais éduquer mes enfants autrement. Peut-être que j'aurais dû faire cette école. Peut-être que j'aurais dû acheter cette voiture. Peut-être que j'aurais dû vivre dans cette ville ou bien dans ce pays. Aujourd'hui, il est encore temps. Il est encore temps si on arrête de vivre notre vie en pilotage automatique. Si on contrôle un tout petit peu le sort de notre vie, parce que rien qu'hier, c'était 2020, c'était le Covid, on se cachait derrière le Covid. Ah, oh, il n'y a rien à faire, la crise, la conjoncture, hein? Jette 2020, jette 2021, 2022, c'est demain 2023, c'est demain 2025. C'est demain 2030, c'est demain 2040, la hyéna. Donc le temps, vraiment, il passe vite. Et cette roue, est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'il y a dans notre roue? Ça, c'est la première question. Qu'est-ce qu'il y a dans cette roue? Si je veux la contrôler, si je veux faire des choses, si je veux réaliser des choses, mais quoi? Quoi? Dis-moi, Fouad, sauve-moi la vie. Qu'est-ce que je dois contrôler? Qu'est-ce que je dois voir? Quels sont ces axes de vie que je dois voir, que je dois suivre? Quel est ce tableau de bord que je dois voir? Imaginez aujourd'hui, c'est comme si nous sommes dans une voiture sans compteur, sans jauge de température, sans indicateur de température, sans compteur de vitesse. Sans indiquer la jauge, le carburant. Oui, je sais, je ne dois pas parler du carburant. Mais bon, c'est le carburant, c'est l'énergie. Hein, je ne veux pas tiquer. Mais bon, ça va descendre, Inch'Allah. Donc, est-ce que je navigue, est-ce que je navigue à l'aveuglette? Est-ce que je navigue à vue?
ou bien je navigue avec une boussole. Comment je vis ma vie? And that's the question. Qui a aujourd'hui une boussole dans sa vie? Qui a des objectifs qui sont bien clairs? Qui a une vision qu'il veut atteindre? Qui a des objectifs qui sont écrits et qu'il lit chaque jour avant de s'endormir et juste lorsqu'il se réveille, lorsque son cerveau, est encore endormi et c'est l'inconscient qui a le contrôle et qu'on peut programmer. Croyez-moi, même moi, je ne le fais pas, même si je dois le faire. Aujourd'hui, je ne choisis pas le devoir de le faire, mais je préfère le faire et c'est un choix de le faire. Aujourd'hui, tout ce groupe va sortir avec des réalisations et va sortir avec un plan. Est-ce que vous êtes prêt à mettre des plans? Et on va commencer à travailler sur ce plan dès maintenant. On va préparer 2023. Eh ben, on ne va pas attendre. Happy New Year. Mais qu'est-ce que je dois faire cette année? C'est quoi mes réalisations pour cette année? Qu'est-ce que je veux faire? C'est trop tard. C'est trop tard parce que l'année a déjà commencé. Donc, aujourd'hui, mes chers amis, mes chers amis, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est le moment de vérité. C'est le moment où nous allons nous voir en face. C'est le moment où... La chora de Dieu. Namel la najat? ça va nous contrarier un peu, mais gardez, dites-vous que on va faire ce diagnostic pour nous améliorer. On va pas faire ce diagnostic pour de la culpabilité. Parce que celui qui veut la culpabilité, mais chez Mouchkine. Je descends tout de suite, je vous achète un paquet de Kleenex, d'accord, pour pleurer. Ici, on n'est pas là pour pleurer. On est là pour faire un diagnostic et sortir avec des objectifs et sortir avec un plan. Alors, si vous êtes prêts, vous me faites un cœur tout de suite. Je veux voir des cœurs. Radis Mchiou, la réaction. Et vous tapez sur cœur. Je veux voir tous les cœurs. Je veux voir des cœurs. Je veux un cœur. Simstafa, bravo. Le Karima. Le iPhone de Karima est vraiment muet. Aucune réaction. Bravo, FZ. OK. Donc, ce que je vais vous demander de prendre un bout de papier, comme ça, blanc, blanc, vraiment blanc, et un stylo bleu. J'espère que tout le monde en a. La marwa, m'andich, ok. Donc, andiro ana flask la marwa. D'accord? Ana andira flask. Alors, je vous laisse le temps de préparer la kawtar de Kaki. Je peux utiliser mon second téléphone au pire des cas de bloc-notes. Là, ça fait. D'abord, on a rendu le tmarin de blask. Le fersha. D'accord. On a rendu l'exercice blask, mais qu'il n'y a pas de mouchki. Alors, attendez. N'oublions pas aussi que nous avons un concours. Et alors, il est au Zoom.
discussion. Oh, lecteur, farsa.com, bien sûr. Alors, vous allez voir, je viens de partager un lien YouTube. Vous l'avez vu? Alors, vous allez cliquer sur ce lien. Vous allez vous abonner à la page et vous allez écrire un commentaire sur la méditation de Lghafour. Écrivez quelque chose, mais un commentaire, Zouin, hein? Dehnouchichouia. Alors, parce que ce commentaire, il peut vous faire gagner une séance de coaching. Alors, 5 séances de coaching à 50% de remise. Aoula, 4 séances de coaching à 30% de remise. Ça peut vous faire gagner une méditation personnalisée à 50% de remise. Et ça peut aussi vous faire gagner 50% sur le prochain webinaire sur la confiance en soi. Voilà. Donc, je vous laisse vous abonner et écrire un petit commentaire et nous allons commencer notre exercice tout de suite. Alors, nous allons prendre une page comme ça, blanche, d'accord? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous pouvez allumer vos caméras? La question. Brennan Choufou live, Brennan Choufou la photo. La Nofisa. La Kautsa. Alors, est-ce que tout le monde a la feuille? Est-ce que tout le monde a la feuille blanche? Une feuille. Même si il n'y a pas de souci. Même si. D'accord? Super. Alors, nous allons construire un nid d'araignée avec 7 bâtons. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Comme ça. Voilà. Vous voyez? Il y a 7. Alors, on va la numéroter de 1 jusqu'à 10. Est-ce que c'est clair? Vous pouvez répéter. Excuse-moi, monsieur Fouad. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Alors, on va prendre un carton et on va faire comme ça. D'accord? Kébelk? Là, Kébench? C'est clair. D'accord, voilà. Donc, on va faire 7 ديال les points. On y va gagner. Est-ce que c'est fait? C'est bon, Christina? C'est clair? Ladia, c'est clair? Quel homme? Montre-moi. Super. Non, je n'ai pas encore vu, moi, s'il vous plaît. J'étais en train de voir la méditation. Oh, c'est gentil, c'est mignon. Merci. Alors, regarde pas derrière. La fin, comment la préparer? Donc, Radit Tracé, 7, tu vois, 7 traits. Et tu vas les numéroter de 0 à 10. C'est compris? Comme ça. Voilà, je suis arrivé à le faire. Vous voyez là? C'est bon? Est-ce que tout le monde regarde? Voilà. Et il y a un seul trait dont nous allons ressortir 3 autres traits. Et petits. Comme ça.
باين؟ Bonsoir Sifo, je pense qu'avec l'arrière-plan on n'arrive pas à voir. Ok, donc le haïdo. On peut l'enlever temporairement et le remettre après. You're right. Voilà. Unfortunately. No problem. Look. Vous voyez là? C'est bon? C'est bon? S'il vous donc, plaît, واحد خارج من الكلاس. Okay. S'il vous plaît, monsieur Fouad, c'est-à-dire, en fin de compte, combien nous devons avoir de parties? Alors, 7. 7 parties. Et une Et partie une, va être divisée une des en 7, 3. Une des 7, خارج منها 3. Perfecto? Voilà. Alors, maintenant, vous allez me dire, quels sont les domaines de vie que nous avons? Qu'est-ce que nous avons dans cette vie? Quels sont les pôles que nous avons dans notre vie? Pas tous en même temps. Marwa? Personnel, merci Marwa. Alors, on écrit personnel. Zid? Quoi encore? Majda? Qui dit personnel dit? Il y a nous tous derrière vous, en fait. Vas-y, je te donne une classe. La santé, la famille. Le carrière professionnel. Alors, attends, garde santé. Voilà. Professionnel. Famille, travail. Famille. Alors, travail, c'est professionnel. Zip. D'accord. Famille. Famille, alors famille, amis, tout ça, c'est quoi? C'est social. Relationnel. Ou là? Hein? Relationnel. Relationnel. Les relations, voilà. Alors, Hadak li fi 3, le pôle où il y a 3, si vous voulez, sous-pôle, c'est le relationnel. Alors, dans le relationnel, qu'est-ce qu'on a? Nous avons famille, quoi encore? Les amis. Voilà, quoi encore? Les collègues. Les collègues, c'est le travail. Patema, vas-y, tu as la réponse. Dans les relations, il y a famille, amis et. L'amoureuse. Hein? Voisins. Moi-même. Moi-même. Les voisins. Non, moi-même. C'est un voisin qui est avec nous à la maison. Le conjoint. Moi-même. Le couple. C'est un voisin permanent. Okay. Quoi encore? Quoi encore? Allez. This. What's this? Santé. Santé. Non. Santé, oui, santé. Quoi encore? Amour. Bon. L'amour, c'est le voisin permanent. Zid. Quoi encore? Finance. Money. Les loisirs. Merci beaucoup, Fatema. Adressi, Jabel, merci. Les loisirs. Tout le monde oublie les loisirs. Important. Et quoi encore? Pardonne-les, ils t'ont oublié. La spirituelle. Spirituelle, exactement. Alors, maintenant, c'est le moment de vérité. Mais s'il vous plaît, nous voulons vraiment de la vérité. Ce n'est pas le moment de se mentir. Ce n'est pas le moment de se faire plaisir. C'est le moment, je ne vais pas dire que c'est le moment de se faire mal, parce qu'on se fait pas mal, au contraire.
on se dit la vérité en face. Si vous êtes, alors, s'il vous plaît, si vous êtes. La voix de la Khadija Ali. Non, c'est Hanan. C'est Hanan. La Hanan, oui. Merci beaucoup. S'il te plaît, si vous êtes, est-ce que tu peux récapituler pour ceux qui n'ont pas qui n'arrivent pas à suivre dès le début? Donc, les domaines, les noms, juste un petit rappel pour que tout le monde suive. Ok, ok. Merci beaucoup. Alors, pour les gens qui viennent de nous rejoindre, nous venons de partager un lien YouTube. Vous rentrez sur le lien, vous vous abonnez et vous écrivez un commentaire pour gagner des séances à 30% de remise, des séances de coaching à 50% de remise, une méditation personnalisée à 50% de remise et aussi une remise pour le webinaire de confiance en soi qui va se passer la semaine prochaine. Merci. Ça, c'était le scoop. Hein? Et concernant dans notre roue de la vie, alors je vais envoyer le background. Alors, comme vous voyez, nous avons 7 domaines de vie. C'est la feuille de Marwa et la sous-traitée chez moi. Voilà. Donc, nous avons 7 domaines de vie, dont un où il y a 3 sous-domaines. Alors, les domaines de vie sont, tu peux nous faire le rappel, s'il te plaît? 7 domaines de vie, c'est quoi? Alors, je commence par donc le personnel, santé, le professionnel, le spirituel, loisir, la finance. Et pour le relationnel, les 3 sous-branches, ou bien les 3 sous-branches sont la famille, les amis et le couple. Bravo. Alors, Tchof, pas la peine de me dire les finances, d'accord? On dit l'argent. C'est plus significatif, l'argent. Oui, ouais, bon. La finance aussi, l'argent. La money. Pour mon cerveau, je dois être clair avec lui. C'est l'argent. La finance, c'est peut-être la gestion de l'argent. Mais là, on parle vraiment de l'argent. L'argent. Iqariden, Omar, tout ce que vous voulez. Haboub. Voilà. Parce qu'avec l'inconscient, je dois vraiment être clair. Je m'y ai la note sur 10, il y précise. Il me donne la vraie note. S'il vous plaît, n'essayez pas de vous mentir quand vous vous donnez les notes. La première note que tombe sur la tête, c'est la bonne note. OK? Parce que c'est la note que te donne ton cœur. Je n'ai pas besoin de la note que te donne ton cerveau. Parce que ton cerveau, il est là pour maquiller. Parce que dans ton cerveau, il y a de l'ego. Il y a beaucoup de choses. Et l'ego, ça cache la vérité. Donc, s'il vous plaît, la première note que vous aurez, vous la mettez. Alors, quand je dis personnel, je vais m'évaluer par rapport à moi-même. Qu'est-ce que je fais pour m'améliorer chaque jour? Mon estime de soi, mon amour de soi. D'accord? Je donne une note sur 10. La santé. Comment je suis avec ma santé? Comment je suis, est-ce que je fais du sport? Des fois, je peux même ne pas faire du sport carrément, mais je suis bien dans ma peau parce que je mange équilibré, parce que je bois tout le temps, parce que je respire bien. Hein? Je peux être un yogi qui ne fait pas le sport, mais qui fait ses mouvements, qui prend soin de son corps. Et, d'accord? Professionnel. Combien je peux noter aujourd'hui mon côté professionnel, mon amour pour mon boulot, l'ambiance du travail, le temps que je consacre à mon boulot, parce que je peux travailler par exemple 12 heures ou 14 heures, ça me bouffe toute ma vie le boulot. Combien ça me bouffe? Est-ce que je suis bien dans mon boulot? Le spirituel, c'est pas la prière, le jeûne. Non. La prière, c'est à quel point tu te sens proche de Dieu. Est-ce que tu le sens tout près de toi? Est-ce que tu te sens comblé spirituellement? Ou bien tu te sens vide? Parce que j'ai eu des clients
il ne rate aucune prière, le jeûne lundi et jeudi, les voyages spirituels, tout ce que vous voulez. Et ils se donnent une note catastrophique dans le spirituel. Pourquoi? Parce qu'ils disent « Je ressens un vide. » D'accord? Argent. Comment je gère mon argent? Quelle est l'idée que j'ai sur l'argent? Oh, vous savez, ceux qui sont riches, c'est souvent ceux qui, hein, qui appellent les budgets. C'est... Voilà. Donc, l'idée que j'ai sur l'argent, on dit des choses... Très méchant sur l'argent. Est-ce que je suis quelqu'un qui respecte l'argent ou bien je suis quelqu'un qui, quand on dit argent, il se sent crispé. Et son salaire finit le 3 du mois ou le 4 du mois. Ça veut dire qu'il est vraiment perturbé côté argent. Santé spirituelle, relationnelle, la famille. Comment je suis avec ma famille, avec ma petite et ma grande famille? On donne une moyenne, d'accord? J'appelle mes tantes, j'appelle mes oncles, comment je suis avec la petite famille, avec mes parents, est-ce que je leur rends visite ou non? Je me donne une note. Les amis. Est-ce que j'ai des amis? Est-ce que je sors avec des amis? Est-ce qu'il m'arrive de les appeler? Est-ce que j'ai de vrais amis? Oui ou non? Je me donne une note. Le couple. Et le couple, donc, comment je suis dans le couple? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un? Est-ce que je fais des efforts pour avoir quelqu'un? Ou bien je suis bien tout seul? Ou bien non, je dois faire quelque chose sur le côté couple. Et généralement, le couple, la personne avec son ego, il te dit, ah non, c'est pas moi, c'est lui. Lui, il doit faire des efforts. Lui, il doit me considérer. Lui, il doit... Bon, je ne creuse pas plus. Hein. Les loisirs. Est-ce que j'ai des loisirs? Combien de temps je consacre chaque jour à mes loisirs? Eh oui. Qu'est-ce que je fais dans le temps de loisirs? OK. Alors maintenant, la Marwa, je fais l'exercice à ta place. Alors, on commence avec la santé. Combien je me donne pour la santé? Health. As-sihha. L'amrwa, chal, binatna. Fersha binatna, vas-y. Combien? J'irais 7. 4. Non, ça va. Ah, 7. OK. Les autres, partagez avec nous. 4. OK. Abqadr. Pour moi, 6. 6. Fatima. Serge Moula. Super. Six. Pour moi, 5. 5. Génial. Voilà. Il y a des partages, c'est bien. La chauffe, McKench. Il n'y a pas de virgule. Pas de virgule. Ah, moi aussi, c'est 5,76 ou bien 4,25. S'il faut aide. Oui, la Fatima, vas-y. Et donc, pour la note sur le côté santé, واش غنقول واش مهتم براسي يعني درجه الاهتمام ديالي بنفسي وبالصحه ديالي او لا انا صحتي كيف دايره دابا سيتادير واش مزيانه واش ما مزياناش سي لي دو سا فا دو سوا سا فا دو سوا سي نفس الشيء سي لا ميم شوز باسكو سي tu prends soin de ta santé sûrement tu es bien dans ta santé ياك تفق معايا Christina, combien? C'est pas le moment, c'est pas pour le moment. Mais chez la note, Non, d'abord. Nous voulons d'abord. D'abord, comment tu te sens dans ta santé? Parce qu'on doit sortir avec des résolutions. Christina, 5? 7. 7, super. 7. Femtini, Fatima? دابا انا كنرد البال لصحتي ولكن دابا اونغومي ولا مريض دونك فهمتي ما غادي ناخذش زعما هاد القضيه زعما ديال لو مومون انا كيف داير مي ان شاء الله صحتي مزيانه
Oui, je comprends maintenant. C'est comment tu es maintenant. Or, oui, parce que enrhumé, dans 2 jours, tu ne le seras pas, Inch'Allah, ou là, demain, Inch'Allah, tu ne le seras pas. OK? Mais peut-être que je dois faire des choses pour ne pas retomber enrhumé. Parce que j'ai laissé faire quelque chose qui m'a laissé enrhumé. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui, c'est clair. Oui? La Rabia, Oui, Nemandelk. c'est bon. C'est peut-être chez toi parce que tout le monde m'entend bien. خويا غير شوف لي شي حل، لك الصوت عندي ضعيف بزاف. Ouais, زيدي الفوليوم عندك في لو بيسي. زدت لي الفوليوم الماكسيموم وغيرت المكان وما عرفتش الوغ شوف علاش. غادي تمشي لفين كاين لو ميكرو، كاين ان تريانجل ان او، غادي تطلعي غادي تمشي الاوديو سيتينغ. اوكي، اي tu vas aller voir le volume ديال لو بيسي. Voilà. Ou bien mets des écouteurs. Voilà. OK, donc la santé, on a donné plusieurs. D'accord, super. Moi, j'ai 7. Alors, côté personnel, je me donne combien? Ne pas se torturer non plus. Côté santé, combien? Côté, par exemple, 7 personnel. 7 Mais L'amroi? personnel, c'est-à-dire Personnel. quoi personnel? Le temps que je me consacre pour mon propre développement. Est-ce que je lis des livres? Que je médite? Est-ce que je m'aime? Est-ce que je m'estime? Ben, disons que ce mois était un peu compliqué, mais avant, je donnerais une note de 8 et 9 même. Là, maintenant, je halle d'abord. Ouais, d'abord, comme ça, je comme ça. Comme ça. Moi aussi, 8. Est-ce que c'est clair pour le personnel? Oui, moi aussi, 8. Super. D'autres Donc, déjà, partages? Kirin, elle a fait la moyenne. Parce que Moi, Fadi Hadar m'a 6. tué le brasson. Moi, 6. Voilà, puisqu'ils sont là, c'est qu'ils cherchent à s'améliorer. Encore, encore plus, parce que celui qui n'est pas là, pour lui, il est déjà au top. C'est quand on cherche à s'améliorer qu'on assiste justement à ce genre de séminaire. La Côté Noufissa, la personnel, pour Asma. moi, c'est aussi 5. 5, 5 pour super. moi. Le Super. problème de son persiste toujours, je ne sais pas comment faire. Bah, approche tes oreilles. je m'approche. Je vais essayer de crier. Les écouteurs. Merci Ciao, beaucoup. avec IA. Allah yatek ssaha, des écouteurs. Alors, C'est écouteurs, c'est professionnel. bon. Professionnel. Lamroa. Il faut chercher les écouteurs. Lamroa. Côté personnel, 5. Professionnel, pardon. Moi, 8. Oui, bien, oui, encore. La DIA, merci. Des notes là, on a des notes? Ne suis pas donné de notes. Oh, même kinch. C'est confus. Parce que ce point-là, pour moi, c'est très confus. Tu as une note. Je peux pas la donner. Ton cœur a donné une note. Non, ne me la donne pas à moi, mais au moins mets-la. Non, pour ça que le point, j'ai pas pu trouver de notes. Parce que ce sont deux choses qui sont imbriquées. Je ne sais pas où est le problème. Mets une Est-ce que moyenne. là, c'est de Mets une l'orgueil? moyenne. Même pas. Je vois s'il faut. J'ai essayé la moyenne, j'ai essayé de mettre une note. Bretendir gars, la note éliminatoire, dire zéro, j'ai pas Oui, fait. là, si, même s'il y a zéro, tu mets zéro. Mais il faut qu'il y ait une note. Sinon, mardi, je connais une roue. Ah, je connais une re. Mais comme là, je fais à où? Pas de con une rue. Une re. Une Ça, roue. une rue. Haïti, oh, à tous les zonka. Al-Qadr, s'il te plaît, fais-moi plaisir, fais-toi J'ai mis plaisir. zéro. Donne Je me suis une note. Voilà, zéro. Zéro, mis c'est zéro. une note. J'ai mis Pas de zéro. soucis. Ça veut dire, là, Mziane, t'as zéro, là, c'est une note. Mais ne pas mettre une note, c'est pas une. Et pour, Très bien. par exemple,
Je pose trop de questions, désolée. Par C'est exemple, pas pour grave. une fois, pour une Toi, femme au tu foyer qui ne oses travaille poser pas. des questions, tu oses poser des questions et tout le monde profite avec toi. Vas-y, la Fatima. Exactement. Oui, femme au foyer qui ne travaille pas. Côté professionnel, c'est zéro. Par exemple. Mahdemch. Le foyer, Ou le femme à la mahdemch ou la travail. chômage pour le moment. Homme ou femme, Zama. Gérer une maison, c'est plus qu'une entreprise. Gérer une entreprise, hein. Exactement. Femme au foyer, c'est un boulot aussi. La rébrite, j'aimerais juste un éclaircissement en fait le point. Bénisbal, maintenant, soit mahdemch, soit pour raison ou une autre, Alors, quand il y a tu te zéro. dis Mahdamesh, il y a quand même un effort qui est fait. Oui, c'est oui. Et c'est un effort pour justement le bien de ton foyer. Et des Ouais. fois, tu te dis, est-ce que ce que je fais est suffisant? Est-ce que ce n'est pas suffisant? Est-ce que je le fais bien? Est-ce que je le fais mal? Oui, c'est-à-dire la tâche qui t'est donnée. Donc, il y a un travail, donc le travail qui est à faire, soit chômage ou la gueule, ou ma barre chez Khadem Aslan, En fait, radi il y a chauffe une le côté. différence. Il y a une différence entre chômage et en quête de travail. Parce que quand je suis en quête de travail, c'est un boulot. Quand je suis à la maison et que je bouge pendant toute la journée, c'est un boulot Marche pour toujours. moi. C'est ça mon boulot. D'accord? Par contre, si je me réveille le matin et je suis allongé toute la journée, en face de la télé. D'accord? Donc, mon boulot, c'est de regarder la télé. À chacun son boulot. Et je regarde la télé très, très bien. Je me donne 10 sur 10. Parce que c'est ça, mon boulot. Et tu peux te considérer que tu n'as pas de boulot. Ça veut dire que dès que tu te réveilles, tu ne fais rien. Tu pars, tu descends au café, tu prends un nos-nos, hein, ou un café crème, et tu restes toute la journée. Ça peut être ça ton boulot. Tu peux en faire un métier. Tu peux voir avec la DST et tu prends le poste d'observateur. Comment rendre Pourquoi patient ton j'ai boulot? oublié de interrompre. Tfadli. En fait, j'ai mis la note de 2 parce que même si je travaille actuellement, je travaille en freelance, en auto-entrepreneur, en formation, je travaille avec des associations, des établissements, mais pour moi, je n'ai pas encore réalisé beaucoup de choses. Pour moi, je fais beaucoup d'efforts. Je peux dire que je m'investis à 10 sur 10 ou la plus, mais pour moi, côté professionnel, je ne suis pas encore arrivée à mon objectif ultime. D'accord. Mais ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu le fais bien? Le fais bien, oui. Est-ce C'est que tu sûr. es contente? Est-ce que tu es contente et satisfaite de ce que tu fais maintenant? Oui, moi, je suis amplement satisfaite de ce que je fais maintenant. Par rapport D'accord. à ce que j'étais il y Tout le a 2 ans. monde, voilà, nous sommes d'accord que tout le monde a des objectifs, tout le monde a des ambitions. Alors, Oui. est-ce que je vais me donner une note sur comment je suis maintenant ou bien comment j'aurais pu aimer être et ce que je serai dans 5 ans? Parce que quand je mets 2, c'est une note éliminatoire. Je dis à mon inconscient, tu es vraiment nul, ce que tu as maintenant est bidon. Par contre, si je mets 6, ça veut dire que oui, ce que j'ai maintenant, oui, j'aime, c'est bien. Je me sens bien, je suis épanoui, je partage avec les gens, je partage avec les associations et j'apprends énormément de choses. Mais ce n'est pas 8, ce n'est pas 9, c'est un peu moins. Il y a des choses à améliorer. Quand je suis D'accord, bien parfait. et je me Merci mets une beaucoup. note éliminatoire, ça veut dire que tout ce que je fais est wallo. Et je peux être quelqu'un qui est dans son boulot et qui travaille 16 heures par jour et qui est dans le stress, qui est dans d'une situation conflictuelle avec ses collègues, qui n'a aucun équilibre de vie, hein, qui n'a pas de vie privée. Alors celui-là, est-ce qu'il doit mettre 10? Mais non, il n'est pas bien. Sa vie professionnelle est médiocre. Médiocre, c'est 4. Moyen, c'est 5.
c'est bien. C'est 6. Ah bien, c'est 7. Bien, c'est 8. Très bien, c'est 9. Excellent, c'est 10. Nous sommes d'accord? Ouais. Super. Argent. Ah, il faut être. Argent. Tu me chacun là, s'il faut être couchisket. Non, mais je mettrais 7. 7. Moi, je me suis mis 1 parce que j'ai moi aussi 7. Hein? Ok, ça veut dire qu'il y a des choses que nous allons améliorer, certes. Adam. Très bien. Beaucoup de choses. Là, Dabanid, pourquoi j'ai. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai tout de suite vu l'annonce d'hier, le coaching pour tous, je n'ai pas hésité, j'ai cliqué sur. Si, si tu sors ce soir avec un objectif millimétrique, c'est déjà très, très bien. Parce que le changement, il ne peut pas être kilométrique. Le changement, il commence vraiment avec de tout petits pas. Avec de toutes petites résolutions. Si je me mets des résolutions, je vais pas bouger. Je vais pas bouger. Si je fais cet exercice une fois par mois. De toute façon, le proverbe arabe dit que masirat al-mail tabda bi khutwa wahida. Le bébé, il commence avec des petits pas. Et il tombe, il se casse la tête, il se relève, il marche, il tombe, il se blesse, il a pour qu'à la gâche, tu vois, et il tombe, et il se relève, et il tombe. C'est ça qui est une question de Samzien. Et nous, on a perdu ce bébé qui est en nous. On est comme ça. Pourquoi aujourd'hui, quand je tombe, je commence à pleurer et je ne veux plus me relever? Non, je suis un bon à rien. Imaginez un bébé qui tombe et qui dit « Je suis un bon à rien, je ne vais jamais marcher. » Mais non, ça ne marche pas. C'est difficile. Ça, c'est notre instinct. Voilà. Super. Spirituel. 10 sur 10. Super. Marwa? 10. Hadra yak. Moi aussi 8. Tidir bi hadra yak. Allahumma lak alhamd. Radin. Zid. Sidi Abdel Moula. 8. Super. Sidi Abdel Kader. اكتب لا نوت ما تديليش ها صافي اكتبها مزيان سي بارفي سيدي رشيد لاله ضياء فرشا pour le spirituel j'ai dit au début 10 et après je me suis dit bon oui c'est vrai je me sens très 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 proche du dieu je peut-être sous quel allez jamais à l'homme mais est-ce que vraiment avec le 10 je le mérite donc continue de 10. Ah oui, c'est normal que ça t'arrive comme ça parce que Shaitan, il est là pour ça. Hein. Il est payé pour ça. De le côté professionnel, on voit 10 sur 10. Il ne rate pas, il est là pour te mettre le doute. C'est son boulot. C'est bien son boulot. Exactement. OK, loisirs. Est-ce que j'ai des loisirs? Yes. Do I have hobbies? Chouya khiyata, recoub le khayl, hein? Les sorties. Quand j'en avais, j'en fais plus. Super, donc 0. Non, 2. 2. C'est vraiment limite. Okay. C'est vraiment limite. Le gaming? Je joue pas trop. Je jouais avant la PlayStation, je sortais, voyage et tout. D'abord, c'est réduit entre. Les voyages et vraiment occasionnellement, je rencontre mes amis. Et encore les D'accord. Amis. Alors, donne-moi une note là, tout de suite. Hein, tout de suite. Là. Super. D'abord, comment tu es? Zid. 8. Finaïa, Marwa. Marwa, Shahal. 3. 10. 10. Super. Sidi Abdel Moula, 8. Super. 8. Super. Mzien. Yallah, alors d'abord, relationnel. Le relationnel. Alors, pour faire le relationnel, il nous faut une moyenne entre famille, amis et couple. On dit la moyenne.
Et on prime ça. Ça veut dire 5, 5, 5. Là, on dit 8, 8, 8. 8, 8, 0. 8, 8, 0. Ça veut dire 16 sur 3. Ça va faire ouais, 5. Ah. Voilà. OK, OK. Number 1. 9. شحال فامي شحال فامي 9 9 فامي 7 7 7 9 16 اوبل 0 ça fait 8 0 voilà 9 7 donc on est à 18 sur 3 goul on est à 6 5 et demi 6 7 et 9, 16, c'est faux. C'est petit 18. Il y en a 7 et 9, 16. Ah, d'accord, parce que tu as tenu 5 et demi. Ah, voilà, je pensais pas ce que je disais. Merci beaucoup, c'est un cadeau. Voilà. Alors, vous savez ce qu'on va faire maintenant? À votre avis, qu'est-ce qu'on va faire? Additionner. On va tourner la roue. On va tracer la roue. Alors, je vais vous montrer. Ah. Merci, Alella. Sur les lignes qu'on a numérotées, on relie les points. Je vais vous montrer. Donnez-moi une seconde. Ah, j'aimerais bien que tout le monde montre. Hein? La toile. C'est la toile d'araignée de Lalla Marwa. On voit qu'il y a des pôles où il y a 10, des pôles où il y a 7. C'est pas très méchant. Il y a pas de note éliminatoire, mais il y a des choses à améliorer. Tu sais comment Lalla Marwa? Yes. Donc ça c'est toi, ça c'est ton miroir. Tout à fait. Ok. Peut-on voir d'autres miroirs? Lalla Fatema, ok. Ça va, on peut dire que c'est une roue équilibrée. Yek? C'est bien. Je ne sais pas si c'est visible. Oui, je vois. Ouais. C'est très visible, merci beaucoup. Sidi Abdelmoula, merci beaucoup. Ladia, Sidi Rachid. اطلع شوية باش تبرق البولة سيدي رشيد وي طلعتك الصحة il faut lier les points la بيع il faut les lier باش نشوفوا la roue c'est-à-dire comme ça. Oui, l'Akeltom, oui, l'Akeltom, oui. Merci beaucoup, l'Akeltom. Merci. Alors, ce qui est censé être une roue, parce que nous devons avoir une roue pour que ça tourne. D'accord? Vous êtes d'accord? Oui. Dans une charrette, il y a une roue. Ouais. Et si cette roue est cassée, est-ce qu'elle va rouler? Non. Non. Ah, ça va. Ok. C'est pour cela. Lalla Marwa. Crevaison. Exactement. Quand il y a crevaison, est-ce que la roue tourne? Non. Non, évidemment non. Non, ça ne tourne pas. Péniblement, et après, il faudra penser à remplacer la roue. Ça finira par se casser. Et ça finira. Parce que c'est pas symétrique. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Améliorer les points qui sont faibles, voilà. Pour avoir un certain équilibre. Par quoi il faut commencer? Gonfler les pneus, oui. Par quoi il faut commencer? Le côté qui n'a pas... Exactement. On doit commencer par les notes les plus faibles. Mais déjà avant de commencer, hein, parce que n'a rien qu'un chudo. Hein, on veut régler tout de suite. Voilà, ça ne marche pas. OK. Commençons déjà par observer notre roue.
نشوفوها فيها مزيان اون لاكسبت باسكو دي فوا يا سو سنتيمون دو رفو يا سو سنتيمون دو رنيمون يا سو سنتيمون دو نون اكسبتانس يا سو سنتيمون دو سابوتاج نون بوركوا جو سوي كوم سا اي كون جو فوا كيلكان افيك اون رو بارفيت جو مي دي مي كومون اي في اي جي سيت هان Et ce sentiment de démangeaison interne qui me ronge. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que vraiment je dois penser à qu'est-ce que je dois faire? Avant de penser à qu'est-ce que je dois faire? Se poser les questions? Même pas. Accepter? Exactement. Subbreld. Je ne m'en voulais pas, je suis comme ça, je ne m'en voulais pas, comme ça c'est moi. Eh bien, je suis comme ça. Comme ça c'est moi, je suis comme ça, je m'accepte ainsi. Kain chi mouchkil, il y a un problème. Chi wahed ma'ajbouch l'hal, je suis comme ça. Mais en moi, je sais que je suis comme ça, je fais un diagnostic. Wahed akhor, il ne sait même pas où il est. Ou bzaf maintenant. Regardez autour de vous si vous êtes à la bra ou bien si vous êtes à la maison. Les gens, ils ne savent même pas où ils sont. Mais moi, au moins, j'ai fait un diagnostic. Je sais maintenant où je suis. C'est bien ou c'est pas bien? Bien, bien. Répondez-moi. Est-ce que c'est bien? Oui, c'est bien. C'est bien d'avoir un diagnostic? Voilà, exactement. Oui. Est-ce qu'il y a personne, au moins, il y a personne qui va le faire à notre place? On peut le faire nous-mêmes. Là, même si tu ramènes quelqu'un pour le faire à ta place, ça sera très subjectif. Ça sera pas objectif. Ah, un taf, le spirituel, tu as un bon cœur, tu aimes Dieu, Dieu il t'aime, et ben, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il en sait? Ce qu'il pense savoir sur toi. C'est subjectif. Très subjectif. Trop même. Trop. Donc là... C'est ça, je trouve. Là, parler avec quelqu'un. Là, c'est écrit Xiaomi, donc pour moi, vous êtes Madame Xiaomi. Ok, alors, ne m'en voulez pas, je suis comme ça. Et comme ça, c'est moi. Super, je suis ainsi. Alhamdoulilah, bismillah, Allah yiskhar. D'accord? Maintenant, next step. Est-ce que je veux que ça s'améliore. Bine, bine, ras. Est-ce que je bien veux sûr. Vraiment que ça s'améliore? La volonté. Volonté interne. On ne parle même pas de volonté. Si on a fait ces on parle de... Est-ce que je suis prêt? J'ai eu la volonté. Le courage de le faire. Le courage, oui. Le d'ouvrir le capot réellement. Voilà, exactement. La voiture d'y aller de bien, la roue d'y aller. Est-ce que j'accepte de la laisser comme ça? Qu'est-ce que ça me coûterait si je la laisse ainsi? Parce que peut-être que je suis bien, hein? J'ai pas besoin de changer. Ouais, c'est comme ça, j'ai des notes éliminatoires, mais ça va. Ça passe. Mais moi, est-ce que je cherche vraiment à m'améliorer? Est-ce que ce changement sera bénéfique pour moi? Et en quoi ça sera bénéfique? Regardez comment je suis en train de négocier avec mon inconscient. Parce que si je viens et je lui dis, Yalla, on va changer, Yalla, change! Pensez que ça risque de changer? Jamais de la vie. Jamais. Têtu comme je suis, moi, ça ne marchera jamais. Et t'es-tu comme l'est notre subconscient, parce que c'est lui qui prend le contrôle, c'est pas le conscient. Le conscient, il retient 5 informations par seconde. Le subconscient, il contient des milliards et des milliards et des milliards d'informations par seconde. De tous les pixels. C'est comme les pixels. Ils font vraiment tout. Ça veut dire que je suis prêt à faire avec vous une séance d'hypnose. On peut revenir sur un événement qui s'est passé il y a 5 ans
et vous allez retenir une plaque d'immatriculation que vous aviez. Vous pouvez la ressortir parce que vous avez un disque dur illimité et nous l'avons tous. OK. Donc maintenant, je dois expliquer l'avantage de travailler sur moi-même à mon inconscient. Vas-y, dites-le. Si je travaille sur moi, qu'est-ce que je vais gagner? Vas-y, vas-y, dites-moi, qu'est-ce que nous allons gagner? Marwa, le mot là. L'estime, oui. Hein? Le bien-être. Le bien-être. Notre bien-être. Paix. Okay. Notre paix interne. Il faudra expliquer l'inconscient, c'est quoi le bien-être, et expliquer au bien-être, au subconscient, c'est quoi l'estime. C'est la Ladia. La réconciliation. J'ai dit que je vais gagner ma paix interne. Je vais être d'accord. Bien avec moi-même. Ok. Alors, Christina, si tu es obligée de nous quitter, juste laisse un commentaire et peut-être que tu vas gagner avec nous quelque chose ce soir pour ne pas partir bredouille. Zid, qui est le dernier à avoir parlé? Moi, c'est gagner la santé d'abord. Gagner retrouver la santé. La santé mentale et physique. Oui. Nous sommes d'accord, l'Arabia. Oui. Les deux, super. Je dis comment je dois expliquer à mon inconscient comme si j'explique à un enfant de 3 ans. Parce que si je donne des choses vagues, est-ce qu'il va les comprendre? Jamais de la vie. Mon inconscient, il n'a que 7 ans. Soyons indulgents avec notre inconscient. Bonsoir, c'est Aïda. Une question. M'appelle Aïda. Ça va. En expliquant à l'inconscient, est-ce qu'il faut lui expliquer à haute voix ou bien juste lui parler sans vraiment, sans que j'entends moi-même ma voix. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que est-ce que juste je parle à mon intérieur, juste avec juste le mindset, le mind, ou bien je dois vraiment dire à haute voix, je veux changer pour gagner en nanana, ce que je veux, estime de soi, etc. Est-ce que vraiment je dois lever la voix pour que justement mes oreilles, tout, s'imprègnent de ce que je vais dire? Merci parce que tu as donné la question et tu as donné la réponse en même temps. C'est un enfant de 7 ans. Un enfant de 7 ans, si tu le vois juste avec tes yeux, hein, les mamans, est-ce que tu penses qu'il va te comprendre à 100%? Ouais. Non, il faut le lui dire. Et tu le lui dis. Et peut-être qu'il va pas t'écouter. Tu vas crier quand il t'écoute pas. Et là, peut-être il va t'écouter. Ceci dit, tu t'enfermes dans une chambre et tu parles à ton inconscient. Et tu lui parles avec amour. Et tu lui parles avec complicité. Et tu lui parles avec tendresse. Et tu lui vends l'idée. Tu lui vends qu'est-ce que nous allons tous les deux gagner parce qu'on est sur le même bateau en fin de compte. Donc voilà ce que nous allons gagner en matière d'argent, nous allons avoir plus d'estime de soi, nous allons avoir plus de contrôle sur les situations et tout ça. Comment on le réalise? On le réalise grâce à 3 clubs que je suis en train de monter. C'est l'affirmation positive, c'est la méditation et c'est en le motivant. Je dois motiver mon inconscient, je dois le motiver chaque fois, chaque moment, chaque instant. Et dire et le répéter et le répéter et le répéter et le répéter. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je suis en train de répéter des choses à mon inconscient. Je suis incapable. La vie est injuste. Je suis un bon à rien. Je ne sais rien faire. Hein? Et il le répète. Toi. Qu'est-ce que tu gagnes de ça? Est-ce que tu gagnes des choses? Bah oui. Tu gagnes un 4, tu gagnes un 3, tu gagnes un 2, tu gagnes un 0. Et si on renverse la vapeur, si on renverse les choses, au lieu de me dire des choses méchantes, je commence par me respecter, à m'estimer et à dire des choses positives. Quand je me vois dans un miroir, oh, je regarde quand je suis beau. Oh, je suis beau.
Waouh, je suis belle. Dieu, il ne crée pas quelque chose de moche. Dieu, il ne crée que de la beauté. Dieu est beauté. Enough. Je suis beauté. Je suis courage. Je suis force. Si je me répète ça, est-ce que je vais ressentir vraiment de la faiblesse? Mais non. À force de me le dire et de me le redire, mon inconscient, il va le croire et il va agir ainsi. L'objectif de faire cet exercice, ce n'est pas juste du technique, mais il faut qu'il y ait un mindset qui accompagne cet exercice. Merci de nous avoir rejoints. Est-ce que c'est clair? Parce que si vous êtes prêts, maintenant, on peut passer à la prochaine étape. Si nous sommes tous convaincus que cet exercice a été fait pour aller de l'avant, pour vraiment changer les choses, pour voir les choses autrement. Parce que si tu fais la même chose chaque jour, tu ne risques pas que les choses changent. Par contre, si tu changes ce que tu fais chaque jour, mais forcément les choses vont changer. Les résultats, ils vont changer. Si chaque jour tu fais 2 plus 2 égale à 4, demain, 2 plus 2 est égal à 4, et je me réveille, oh ouais, 2 plus 2, mazel, c'est égal à 4, ça ne va pas changer. Oh, 2 plus 2 doit être égal à 7, ou bien à 8. Oh, 2 plus 2 est égal à 8. Ou ta gueule de kill. Okay. Donc, il faut que ça change. Il faut que ça devienne 2 plus 3. Ah, c'est bien, je suis à 5. Ça a changé. Hier, j'étais à 4. Aujourd'hui, je suis à 5. Mais c'est super, je me félicite. Je m'achète un chocolat. Et je me reward. Waouh, j'ai fait une réalisation. Et je félicite mon inconscient. Et je le remercie. Merci, regarde, nous avons fait quelque chose de spécial. Nous avons amélioré une note. Est-ce que je mérite de me féliciter ou pas? Alors, pourquoi j'attends que les autres me félicitent? Et s'ils ne me félicitent pas, je me sens mal. Je fais la victime. Si tu fais la victime, va jouer le rôle de Cosette, de Jean Valjean. Au moins, tu vas apprendre à faire du théâtre. Mais dans ta vie, si tu joues le rôle de la victime, est-ce que ça va m'aider? Je vous dis ça. Je suis champion dans le rôle de la victime. Moi. Je suis excellent. Je vous jure que si on me payait pour le théâtre, je serais milliardaire. Mais c'est bien. On est tous des êtres humains. On se permet la faiblesse. On se permet les moments de faiblesse, d'accord? Mais le plus important, c'est de ne pas de tomber. C'est de tomber et savoir se relever. Ouais, je sais que ce n'est pas moi qui le dis, c'est quelqu'un d'autre qui l'a dit, mais c'est une belle sagesse que j'ai aimée. Je pense que c'est Mandela qui l'a dit. Et peut-être lui aussi, il a pris de quelqu'un d'autre. Le plus important, c'est très bien. Je tombe, oui. Je peux faire face à des échecs, oui. Je peux faire des erreurs, oui. Je fais des fautes graves, oui. Je suis un bon à rien, oui. En bed. Tu vas le rester toute ta vie? Je vais le rester toute ma vie, alors? Argent, je vais toujours avoir 0? Hein? Je vais toujours avoir 1? Est-ce que c'est ça mon destin? Non, c'est le destin que je me suis choisi. Il est allé tranquille. Il t'a donné tous les moyens. Il t'a donné ça, il t'a donné les yeux, il t'a donné un corps, il t'a tout donné. Hier, un ami, il m'appelait de Slovénie ou quelque chose comme ça. Il m'a raconté une sagesse qui m'a vraiment zaza. Quand nous jouons dit al-khout, hein, deux frères Sophie, hein, donc nous qui ont le maqamat l'aliya, il est parti, un des deux frères est parti visiter son frère et il l'a trouvé paralysé. Et il lui a dit, comment vas-tu? Il lui dit, Allahumma lak alhamd. Oh, je remercie Dieu vraiment pour la gratitude énorme. Il a dit, comment tu peux être dans la gratitude alors que tu es vraiment paralysé? Gallo, il m'a laissé le cerveau.
pour le contemplement, pour dire la conscience d'y aller parce que nous là c'est énorme. Pour moi c'était énorme cette histoire. On peut voir des gens qui sont amputés du pied ou des jambes et tu les vois en train de bosser, de travailler d'une manière extraordinaire. Et on peut trouver des gens qui sont vraiment entiers et complets et ils n'arrêtent pas de se plaigner, de se plaindre. Ils n'arrêtent pas de se plaindre. Ils n'arrêtent pas de jouer la victime. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, je vais continuer à jouer ce jeu? Ou bien, je vais prendre... Ah oui, bien sûr, c'est Abdel Moulin. Ils deviennent des champions et ils gagnent de l'or. Alors, aujourd'hui, est-ce que je suis prêt à prendre mon destin en main? Je veux voir des cœurs. Je veux voir des cœurs. Monsieur, vous réaction et vous mettez des cœurs. Tout se passe au niveau de la tête, exactement. Tout se passe au niveau de la tête. Les cœurs. Là, ma Britain, je vous discussion. Britain, je vous réaction, cœur. Yallah. Réaction, cœur. Des cœurs. Lala Rabia, je veux un cœur. OK. Alors maintenant, nous allons, par exemple, nous avons Lala Marwa comme cobaye, malheureusement, je n'y peux rien parce que j'ai ton exercice en face de moi. Alors, chacun va prendre quel est le pôle de vie dont la note est la plus faible. Par exemple, dites-moi. Moi, c'est le professionnel. Agent. Professionnel, ok. Zid. Argent. Fatima. Argent, ok. Moi, c'est le personnel. Ria. Mouden, merci. Zid. Moi, j'ai des ex-échos. Personnel et spirituel. مزيان. عطي على شال العايده. غادي ناخذهم بجوج. Parce qu'on doit prendre deux. Parce qu'on va prendre deux justement. Merci Aïda. زيد. سدي سامر. سدي سامر انوار اخويا. عرب غير كل loisir spirituel et pour moi c'est loisir et émotionnel. ما كان ما عندناش اختي كاع ايموسيونيل منين جبتيه لنا ما عرفتش لا ربيع ما عرفتش كيفاش كتبتها ما عرفتش انا كيفاش ضربتي ليا كل شيء دابا في لو ديفي كون جيتي اون تران دو مي ديبلاسي اونتر لي سال دو ما ميزون بور بوفوار فوز ايكوتي لور دو لا ريشيرش دو مايك ودابا غير شنو كتقصدي بايموسيونيل دابا غير باش نعرف لا ربيعه والله لا يو ميد ماي نايت يمكن بغيتي تقولي الغلاسيونيل يعني بغيت نقول انني حساسه بزاف داكور alors je n'ai là que 9 commentaires est-ce que tout le monde a commenté Est-ce que tout le monde qui est là? Alors, je vais le redire. Pour les gens qui viennent de nous rejoindre, je vous mets ici un lien. D'accord? Alors, rentrez sur ce lien, abonnez-vous à la chaîne et commentez cette méditation. Parce que vous allez pouvoir gagner des remises importantes sur des séances de coaching. OK? Ok. Sur la méditation du Al-Ghafour. Voilà, ta'amul bismillah Al-Ghafour. Donc, nous allons prendre l'exemple de la Marwa. Alors, Marwa, les notes liées à Abdel, le personnel,
et le professionnel. 5 et 5. Nous sommes bien d'accord, Lamroa? Tout à fait. D'accord. Alors, Lamroa, Chnahoua, la toute petite action que tu vas faire le côté personnel. Une toute petite chauffe. Une toute petite action. La grande erreur, c'est de choisir une action lourde. Parce que vous allez, parce que nous allons créer de la résistance, yek, et on ne va rien faire. Et ce que nous venons de faire là, ça va se transformer en, ça va se transformer au contraire, tout simplement. Zid, établir un plan d'action peut-être. Sincèrement, je ne sais pas. Un plan d'action. Il a dit, ah oui, j'ai. So, là, des fois, là, c'est compliqué de faire une toute petite chose. Regardez la Marwa comment elle est maintenant. She's struggling for just a small pikinia action. Zrikra. Un petit effort, petit à petit, on évoluera. Merci, la Fatima. Merci. Je peux donner l'action que je pourrais faire avec le côté d'Yali, comme ça, ça pourrait donner une idée pour les... Je vais vous dire, d'accord, oui. Ça veut dire une action imminente. Je vais faire, je fais. Merci, Fatima. Oui, exactement. Je fais. La Fatima, vas-y. Hier demain, je suis rassurée de casser. Moi, je parle d'abord de l'argent. Je dirais que je vais négocier le salaire maintenant de l'employeur, par exemple. Donc, l'action, Andy. A-t-il négociation? C'est négociation, ma demande là, ma voilà. Bah, elle a dit, Marie, ma pas secte. Je dirai et puis je verrai. Alors, si j'étais à ta place, je dirais plutôt que je commence à visualiser avoir plus d'argent. Une petite méditation, par exemple. Ou alors, sur une personne. Si on est une personne dépensière, bah quand on sort, qu'on fait du shopping, on prend la chose, on se dit, est-ce que j'en ai vraiment besoin ou est-ce que c'est juste... C'est énorme. Et si j'ai une nature dépensière, ça veut dire que je suis en train de faire une grande action. D'abord, il nous faut une toute petite action. Qui serait à la portée, comme la visualisation que vous avez dit. Donc, visualiser. Exactement. Je suis à la portée. Je commence déjà à accepter l'abondance. Je commence à voir que je mérite déjà. Je mérite d'avoir un salaire supérieur. Peut-être que je dois revoir mon CV. Revoir mon CV, là, énorme. Ça parle la résistance face à le CV. Mais l'argent, c'est pas forcément parce qu'on a un bas salaire. Ça peut être parce qu'on ne sait pas gérer son argent. C'est sûr. D'accord. Zahid Al-Qadr. Alors moi, en ce qui me concerne, moi, les notes les plus médiocres, je les ai sur le plan spirituel, sur le plan professionnel, avec un 0, bien pointé, et un 1 pour le spirituel. Pour le spirituel, je pourrais dire la première chose que je ferais, c'est de retrouver foi en Dieu. C'est énorme. Qu'est-ce que je vais faire? Quelle est la toute petite action
que je vais faire qui m'a aidé à retrouver la photo. Ouais, d'accord. Peut-être. Peut-être. Par contre, le côté professionnel, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai eu du mal à m'attribuer une note. Et en fin de compte, je me suis mis à zéro. Je ne sais pas qui est la personne qui a parlé de CV ou Reda. En fait, moi, ma situation, elle est un peu délicate. D'autant plus que, bon, je ne vais pas la raconter tout de suite, mais j'ai beau postuler, chercher de nouvelles offres. Je passe des entretiens, j'ai refait mon CV, j'essaie de me former moi-même sur comment bien passer l'interview d'embauche, etc. et tout. Je tombe toujours sur des refus de candidature, des refus de... Et même des fois, j'ai des commentaires genre « Votre profil est surdimensionné, vous êtes surqualifié, etc. etc. » À un moment, ça m'est arrivé aujourd'hui, je commence à en avoir. La petite action que je vais faire, Naya. La petite action. Je vais plaisanter un petit peu. Je vais mettre du poison dans l'eau des robinets de l'aide au pligalo. C'est une petite action. Ça va me faire du bien. L'autre situation, Naya, tu peux faire? On va continuer à chercher jusqu'à ce que je trouve, mais là, je suis fatigué. D'accord. Normalement, fatigué. Je peux te proposer une toute petite action? Oui. Si tu me le permets? Oui. Oui, oui, oui. Accepté? Accepté? L'instant. Danser? Désolé. Comment? Accepté, tout simplement. Accepté? Accepter cette situation. Parce que si j'accepte... Je l'accepte depuis des années. Il y a un seuil de tolérance là, la zone rouge. La zone de tolérance. Le trésor il est là. Je me suis arrêté. Alors, Moi, j'en ai. Y en a d'autres qui en ont plus besoin que moi. Donc, mais bon, libre à Allah, dites quoi. De toute façon, à un certain moment, j'ai dû accepter malgré moi, mais j'ai dû me dire des dramatismes. Parce que ce n'est pas la fin du monde. Et je me dis toujours que si on ne m'a pas recruté, de deux choses. Il y a Imahadouk, les recruteurs sont des bons à rien, et c'est très fort probable. Oui. Et c'est très fort probable, je me le dis à moi. Et je me le dis à mon inconscient, à mon subconscient, à tout le conscient que j'ai. Alors, ils n'ont pas bien évalué, tout simplement parce qu'ils ne sont pas compétents dans leur domaine. C'est pas moi. S'ils cherchent des. Quel est l'autre scénario? Le deuxième scénario, c'est tout simplement avec Chibral Klamers. Il y a ça. Donc, Anna, y a-t-il un autre scénario? Je me suis convaincu des deux. Le troisième, je ne connais pas. D'accord. Alors, tu es dans quel domaine? Anna, je travaille comme intérimaire dans une multinationale allemande. Ton métier, c'est quoi? J'allais expliquer. Je m'occupe de la communication interne. Dans le domaine de la communication interne. Tu es dans la communication. Ok, super. Alors, mes chers frères et sœurs, notre ami Abkader, il va mettre à jour son CV. D'accord? Il est déjà fait. Tu peux le mettre une page. Attendez. Je vais le partager. Tu le partages tout de suite la discussion. Ok. Ok?
Voilà. Tu le partages tout de suite la discussion. Et tout le monde ici s'engage à le partager dans ses groupes. C'est bien pas ça besoin. Pas besoin. Sure, c'est pas toi qui décides. Nous, c'est le petit, c'est la petite action que nous voulons faire ce soir. Sur le Kfina. Sur le Kfina. Vas-y, tu le partages, s'il te plaît. Je veux bien, mais je ne vais pas passer pour le misérable de service. Non, t'inquiète pas, moi aussi. Moi, je l'ai fait le mois dernier. C'est ça n'a rien à voir du misérable. Si tu acceptes d'avoir une famille, hein, qui va se serrer les coudes pour le bien d'un membre de la famille, c'est bien. Et si tu veux t'exclure, c'est autre chose. Là, Anna, je vais être franc. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est les autres qui doivent parler. Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi? Allez-y, parle. Bien sûr. Tout le monde d'accord avec moi? Oui. David, oui. Tu m'es muet. Chor, Abdelkader, tu m'es muet et tu partages le CV. La muet, c'est quoi ça? Ça fait, laisse les choses se faire. Ah, d'accord. Tani, j'ai... Bref. Je saisis l'occasion pour partager une bonne nouvelle avec Monsieur Abdelkader, à qui je souhaite bon courage dans la recherche d'emploi. Inch'Allah, Rabbul Khair, la yati illa bil khair, wa la yu'akhiru amran illa li khair. La bonne nouvelle, c'est que prochainement, à part les ateliers gratuits, qui sont des coachs solidaires qui vont donner des séances gratuitement pro bono d'une façon solidaire effectivement pour aider et accompagner les demandeurs d'emploi ou les gens qui ont d'autres problématiques dans la vie ou tout simplement les gens qui veulent faire un changement positif ou avoir de nouveaux objectifs. Donc prochainement je vais faire l'annonce et les coachs qui veulent participer, ils vont remplir le formulaire. Et aussi les gens qui souhaitent bénéficier de cet accompagnement solidaire aussi, ils vont remplir le formulaire. Voilà, c'est ce que je voulais partager. Merci beaucoup. On va envoyer beaucoup d'ondes positives à ces Abkhadr qui vient de nous envoyer son CV. S'il vous plaît, tout le monde le télécharge, d'accord? Et on va lui envoyer énormément d'ondes positives. Inch'Allah, très très bientôt, il sera appelé avec amour pour un poste, Inch'Allah, par un organisme qui va mettre en valeur ses compétences. Al-Hanan, le personnel, petite action. La Marwa, pardon. Comment c'est-tu? Professionnel, Zid, le personnel. Le personnel. Visualiser comme tu as dit, un foyer avec un conjoint et des enfants. Est-ce que c'est une action simple? Visualiser. Facile, ouais, réagir ou visualiser. Oui. Ok, mais ça veut dire pour toi, c'est une action qui ne va pas te demander beaucoup d'efforts. Non. D'accord. Tu vas faire, j'ai le luxe de la visualisation. Combien de minutes par jour? Trois minutes, quatre minutes. Comme un début? Oui. Ok. Est-ce que tu peux faire 4 minutes de la semaine et la semaine prochaine, est-ce que tu peux faire 17 minutes?
plus de 17 minutes. Je vais m'engager. Wesh sahla? Sahla, oui. Après, il faut que je m'organise par rapport à mes engagements quotidiens. Ok. Ok, yalla, nkhliou bhal hakak hatta nchouf. D'accord. Pour les autres, est-ce que vous avez pris des petites décisions? Est-ce que vous vous êtes fixé de petits objectifs? La la Kawsar Dkaki, la la Asma, la la Noura, la la Aïda, la la Fdoua, que la la Rabia, Sinstafa, la la Fz, la la Asma. Sidi Abdelmoula. Moi, je m'engage pour faire de méditation et de respiration. Des exercices de respiration. Pour la santé. Ok. Oui. Pour la santé. Mais bien. Oui. Tu as l'exercice de respiration ou l'un seul truc? Oui. Marba. Ça fait plaisir. D'accord. Alors, Allah yakhlikoum. Tu as l'exercice. La hanan, lik b'adam ti l'oula. Merci beaucoup, jazakallah khair. La hanan, 5 fois par jour. Inch'Allah, inch'Allah. Merci. 5 fois par jour. Chouf, ma fihash la haqqa ghir kat, la. Zouen had l'ktab assi, Abdel Moula. Alors, qui dira had la cohérence cardiaque, qui a t'ik wahad l'kora. Yak? Ou katouka katla? Ou katouhabat? Ok? Alors. Et qu'il y a la respiration de l'eau qui dit là, c'est pas comme ça qu'on respire. Alors, pour bien respirer, tu vas faire le ha, le dakhl. Oui. Respire avec. Avec le son. Et j'expire avec. Je vais bloquer le hua. Je vais laisser le chikoulo. Ok? Et là, je vais le faire pendant 5 minutes. Mais faites cet exercice. Il est juste magique. C'est bien pour le cœur. C'est bien pour la tension. C'est bien pour le stress. C'est bien pour tout. La respiration est vitale. Combien on peut rester sans manger? 40 jours ou plus. Combien on peut rester sans boire? 7 jours. 3 jours, 4 jours maximum. Parce que le clawi, au moins le wouling est. Ouais. Combien on peut rester sans respirer? Moins d'une minute. Ouais. Moi, je peux rester 3 minutes. Après, ça s'entraîne. Ouais. Mais 3 minutes, ça fait. Quand tu vois Azrani, il dit ah, ouais, t'en as le Satan. Ok, donc s'il vous plaît, j'ai sur mon portable 365. Abdelmoula, je crois qu'il parle de Microsoft Office 365. Je pense. Oh, parce que le CV, c'est un PDF. Quoi. Là, je pense qu'il a le logiciel 365 qui est en respiration. Ah, d'accord. C'est un maître de respiration. On inspire en 3 secondes, on garde 6 secondes, on expire en 5. Je pense à Dawa le rythme. Ouais. C'est la respiration simultanée. Voilà, ouais. مهم شي حاجة بحال هكذا. أوكي. مكتبة. وين. لا respiration. Alors, mes chers amis, est-ce qu'on a retenu quelque chose ce soir? Ouais. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous avons choisi de faire des petites actions? Parce que ouais. C'est un choix, c'est pas un engagement.
et que quand on dit engagement, عاوتاني كنزيد كنتقل. C'est de l'énergie, c'est plus d'énergie lourde. Sure. Yeah, sure. D'accord. Alors, la Marwa ça تخلي لي الميل ديالك باش نصيفط لك هذا الورقه. Alors, merci beaucoup. Alors déjà, toutes les personnes qui sont présentes, si vous voulez vraiment changer quelque chose dans votre vie, si vous avez pris l'engagement de changer des choses dans votre vie, vous avez tous une remise de 20% sur les séances de coaching, sur un contrat de 4 séances. Alors maintenant, nous allons faire des tirages. Alors, il n'y a que 9 personnes qui ont mis les commentaires sur la méditation de Raffol. Et là, il y a plus que 9 personnes. Alors, parce que ce sont ces personnes qui ont fait les commentaires, les raids de long tirage au sort. Alors, qui a fait le commentaire? Fatima Ashto, Ria, Asma, Mohamed Amin, Samir Anwar, Rachid Khalif, Fatem Zahra Kermoun, manager culturel, Aïda Filali. C'est plus que nous, ça. Manager culturel, c'est moi. Voilà. Alors, Badia, tu veux pas gagner avec nous quelque chose ce soir, la Kautar? La Rabia? La Rabia, tu peux un commentaire, il faudrait le lire. J'ai un problème pour s'abonner sur YouTube. D'accord. Là, c'est Abdelmoula. C'est Abdelmoula. Il faut que nous qu'il y ait Rabia. Rabia, je ne me permets pas de loisirs. Je me permets. D'accord. OK. Alors, on est resté sur le papier. On n'y peut rien. Lala Hanan, est-ce que tu peux me donner la main pour partager l'écran? Tu l'as déjà, c'est pour être. Tu as déjà là-bas. Tu es courte. Share. Alors, nous allons commencer par les séances à 50% pour un contrat de 8 séances. Le premier heureux gagnant est... Hanan, Wallah ma'ana, c'est lui. Al-Masman Biouch. Non, tu peux réessayer. Je laisse quelqu'un d'autre gagner. La, Radi Hanan thérapie. Team 78, c'est qui? Fatem Zahra. Où le fait-on? Je sais pas, mais Team doit être contre Fatem Zahra. Team? Ouais, Team. C'est qui, Tim? Fatem Zahra Kaji, raised hand. Oh, ok. Fatem Zahra, غادي نكتب le numéro de téléphone ديالي. باش تصيفط ليا فيه la confirmation. Je suis Fatem Zahra. Alors, 00971. Voilà, donc c'est fait faire un message. Team 78. OK. Donc 50%. Racha Vlog.
Racha Blob, c'est qui? Racha. Racha Vlog? Racha Vlogs? Racha Vlogs 1? Racha Vlogs 2? Racha Vlogs 3? On passe. وعندها الزراد راسها ضياء شرفين صيفطي ميساج كونغراتيليشن حنان عندها الزراد ديال التاي رشيد خليف رشيد خليف Fatima Ashtouk. Merci. Rachid, hey, had Lila Auda. Bia, said she. Allah Hanan, that is Satan. Allah, dear. Marwa. مروة وي هلا لا مروة نعم يلا مروة يا نو اوكي 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 alors et maintenant nous aurons un nouveau gagnant pour 50% sur le webinaire qui va se passer sur deux jours sur la confiance en soi. Et ça sera un séminaire, des gens qui font la musique, des gens qui font le chant, des gens qui font le théâtre. Bon, ça sera vraiment la totale. Ça veut dire que tu vas sortir un lion de le séminaire. Alors maintenant, nous allons choisir un heureux gagnant et ce gagnant, ce mec, déjà, les chenards. Et bismillah. Oui, et vas-y. Oui. Yalla, vas-y. Four, three, two, one. Go! Aïda Filali, congratulations! Yes, now you made my night also. Thanks for Ed. Bravo, bravo, bravo. Alors, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Alors, toutes les personnes présentes avec nous ce soir ont une remise de 30% sur un contrat de 4 séances. On fait l'addition. On a 50% ça, 50% ça fait la 50 plus 30 plus 20. Ça gratuit. Là, 30 plus 50, c'est pas cumulable. 100%. العام والله لا 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 تستاهلي شتي انت يا غير على الابتسامه هذه لا تستاهلي كل شيء Alors, et j'ai un cadeau spécial. J'ai un cadeau spécial pour Sib Kadr. D'accord? Donc, je vais faire avec lui deux séances de coaching gratuites. Totalement. Ah, ça, c'est applaudir. Ça, c'est Les séances de coaching, en principe, c'est entre 30 minutes et 45 minutes. Je vais faire une exception à Sib Kadr.
pour deux séances gratuites plus une méditation. Merci beaucoup. Et, bravo. Et merci. Tout le monde, merci votre générosité. Et tout le monde, aura droit à une séance de méditation gratuite. Oh, ça c'est sympa. Yes. Merci. Yes. Une méditation de 30 minutes. Thank you. La méditation, une méditation personnalisée. C'est-à-dire vraiment une méditation standard qui est aussi très puissante. Merci beaucoup. Ça vous va? Monsieur Fouet, vous pouvez nous expliquer là la méditation spécialisée, la méditation standard. Vous pouvez nous donner un peu plus d'exercice. Seftele, deux éprévés. Il y a le groupe. La Fatima, une méditation privée, c'est une méditation personnalisée. Donc, tu l'as privé. Donc, la Diya, une méditation personnalisée, oui, on a une chose que tu as fait. Ah, oui. Quand tu fais ou quand tu rentres l'inconscient ديال tu as petit chouïa ديال le ménage ياك ومن بعد كنولي كنسد مزيان وعاد كنخرج بلا ما يعيق بيا لو كونسيون ديالك حيت لو كان يعيق بيا لو كونسيون ديالك غادي ينتقم اي une méditation standard غادي ندير لك une méditation نتقداو فيها شي شويه نديرو فيها شويه ديال لا غراتيتود نديرو فيها شويه ديال لو باردون نديرو فيها شويه ديال اوتو غيريزون فهمتي نديرو شي بانيي شي بانيي ما بيش شويه تفاح شويه بنان شويه فهمنا اسكو سي كومبري دابا سيدي رشيد قول لي وي اسكو بوغي نو بروبوزي شنو يعني يكون عندنا ان شوا شنو نقدروا نختاروا بوغي سيتي دي زيكزومبل La réponse est très simple. Et oui. Cette réponse, elle n'est pas chez Fouad. Elle est chez ton Fouad. D'accord. Elle est chez ton Fouad. Pas Fouad. Elle est chez ton Fouad. D'accord. Donc, Soulo, il a sûrement une réponse. Ou chauffe la réponse, il a fait avec, même si tu as fait ce fait, Dans ce cas, on doit vous envoyer, par WhatsApp notre choix de méditation. C'est ça, s'il faut être. Chauf, je suis Diya, Yek. J'ai gagné avec toi, s'il faut être, une séance de méditation à 50%. Et là, une séance de l'achor de Hadek Smith ou de coaching à 50%. Ouais. Yek. Et j'ai gagné une méditation gratuite. Les Britanniques de Maliha, elle a dit, on commence par la séance de coaching. On a dit, ben, réellement, les temps besoin. C'est encore mieux. Parce que quand tu commences avec la méditation, Nous sommes tous mgharba et on adore le hammam. Là, monsieur Foufi a dit que l'avait dit. Donc ce qui serait bien, c'est de creuser pour une ou la deux séances de coaching. Et par la suite, la méditation pour colmater ce que nous avons travaillé. Ou bien, après quatre séances de coaching. C'est quoi le top? Le top, c'est après quatre séances, parce que si je suis à la visibilité. Mais le Hanan, je parle sous son contrôle, elle sera d'accord avec moi. Un contrat de coaching standard, c'est d'être sur 12 séances. C'est après 12 séances que tu peux commencer à parler d'efficacité à la séance de coaching. Je ne suis pas en train de vendre. Je suis en train de parler d'une réalité. Je suis en train de partager avec vous l'expérience de plus de 8 ans de domaine.
رافدوك لي بروميير سيونس كنكونوا فريمون غير اون سو ديكوفر يلا يلا غير كنبداو كنهضروا اي باسكو سي اون بارلون ياك كو تو تو ديكوفر باسكو لو كوتش سي با كيلكان كي تو شانج او بيان كي تو ترانسفورم لو كوتش اي لي لا بور اكومبانيي طون شانجمون Il est là pour aider, et il te fait passer le point A, le point B. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui. Ok. Alors, est-ce que tout le monde m'a envoyé Finaïwa? Tu as un SMS? Tu as un WhatsApp? Coucou. Tout de suite. D'accord. Alors, vous envoyez, s'il vous plaît, tout de suite de WhatsApp, le numéro. L'Aïda, l'heureuse gagnante. Oui, s'il vous plaît. Je t'envoie. Yalla, Sef, tu as le numéro. Hawadiya Araïla partagé. Yalla. Envoyez ce que vous avez gagné. Parce que tout le monde a gagné 30%. C'est 30%. C'est pas rien. Si vous aidez, il me reste combien? Je reçois les messages. Il me reste combien de temps? 5 minutes maximum. D'accord, ok. Ah. Est-ce que quelqu'un a envoyé sur WhatsApp? Tout de suite. Voilà, Dia. Merci, Dia. Merci, Dia. Tu m'as réchauffé le cœur. Tu m'as sauvé la vie. Vous avez reçu mon message, s'il faut aide. La Fatima, là, j'ai reçu. J'avais juste... Donc, ce numéro-là, je l'ai dit. S'il faut être, je voulais dire quelque chose. J'étais très touché par votre acte de générosité ainsi que le soutien de tout le monde, que je considère maintenant comme ma grande famille. Et moi, en retour, ce que je vais faire, je voudrais offrir une séance. Donc, je voudrais l'offrir à quelqu'un qui le mérite. Là, tu le mérites. Là, je mérite deux. Voilà, je voudrais l'offrir à quelqu'un. Là, tu mérites. Pour que le plaisir soit هذاك واحد لا بلا يدير الصبور صعب خاطرك خليك مع مسيو فؤاد ومع مي كامام جو ما جو با جو با اتر ايغو شو با دو ناتور ايغويست جو بارطاج افيك يخلي ليا القلب الكبير يخلي ليا القلب الزوين ولكن هذاك رزقك لا طاسو قاس حد فؤاد انا راسي قاس حمي بون جو با مي لو بيرميتر Mais il y a quelqu'un, j'ai vu le commentaire d'une personne, je me suis dit peut-être qu'elle a aussi besoin de quelque chose. Donc, c'est pour ça que... C'est des gros juges d'elle. Et si elle dit que la personne, elle en a besoin, c'est des gens qui ont besoin. C'est des gens qui ont Tu n'arrives pas à t'envoyer le WhatsApp. Je me dis la liche. Je t'envoie SMS, ok? Aïda? Oui. Pardon, c'est quelques messages. Merci. هلا يا لطيفان في الخفاء انت يا لالا انت اوصلك تفرشينا انا عاوتاني تيم اوكي je n'ai pas reçu tout le monde je n'ai reçu que 6 personnes ça veut dire que bon ça sera dommage la rabi asftin ça va venir دي خليف رشيد دي المده نصفتين
Oui, je viens de vous envoyer un message. D'accord. Lève-toi. Samir Anwar. Samir Anwar. نورا أسماء فدوى أسماء الكانية بديعة كو مصطفى برزوق ربيعة وي أسماء الكانية مزيان للا أسماء هيا هيا بنت هيا بنت للا أسماء هيا لا بديعة واش معنا لا بديعة. Alors, si vous avez remarqué, je vous montre l'énergie de la Badia. Je vous montre la photo de la Badia. Subhanallah al-Azim, c'est une photo très vivante. On dirait que tu as la caméra. Tu as la photo. Oui. C'est. Tu as la Badia. Merci la Badia. Merci la Badia. Vous avez fait un message. On va bdaou. Hein? هما بداو كيشكروا في لالا بديعة عاوتاني. لالا أسماء المصلوحي مرحبا لالا. لالا بديعة كنتسنى الميساج ديالك. اي سي كون تو فو. اي با سي تري بيان. معليش بور لو ميكرو انا صيفطت ليها في الواتساب. Mais quand tu as un problème avec le WhatsApp, je me dis que la méditation. Sinon, je suis baqué, baqué que, baqué Nora. Nora, ma sœur, tu vois qu'elle est là. Mais allez, Inch'Allah, Rabi, Inch'Allah, Inch'Allah. Je vois que le mot qui est dit, il n'y a pas de souci. المصطفى برزوق ما معناش مصطفى برزوق مولا الزيغي اياه فدوى 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 او انفويي لو ميساج في هذا لو نيميرو هذا اللي درتو لنا لالا ضياء حاضره معنا لالا ضياء Ah, c'est là, c'est le numéro, le Badia. Il faut juste ajouter le contact. Alors, je compte baquer les maternages ma avec lui. Fedoua, tu as reçu un SMS. Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est que c'est Mustafa Berzouk. Je ne sais pas si c'est Mustafa Berzouk. On veut que tout le monde profite. Mais je pense aussi pour être qu'il y a des membres qui veulent laisser pour plus tard, je pense. Comme ça, on... Comme là, ça, ouais, il y a la méditation. Il y a un délai à respecter. C'est un délai, rien ne chauffe. Alors, 0662 877, c'est qui? Ça fait, je vais gérer. Alors, mes chers amis, peut-être que mes chers amis, mes chers amis. Mes chers amis, je vous remercie énormément pour votre présence. Je remercie énormément la Hanan,
C'est vraiment quelque chose de très puissant, ce qu'elle est en train de créer, cette synergie, cet amour, cette famille unie et soudée. C'est ça le but. Voilà, moi je suis à Abu Dhabi, elle est à Paris. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, le digital nous unit et nous réunit. Ce que je vais vous demander, c'est de vous abonner à la page YouTube et de la partager dans vos groupes, si vous le permettez. Et voilà, je suis à votre disposition et je n'épargnerai aucune atome d'énergie pour la partager avec vous. Voilà. Donc, merci beaucoup. Shukran jazilan. Et à mon tour, s'il faut être, sinon je laisse le mot de la fin à la Hanan. Et à mon tour, s'il faut être, c'est moi qui tiens vraiment à te remercier. Je te remercie infiniment à mon nom et au nom de tous les membres. Et je te dis jazakallah khairan, hafidakallah, ou Allah yassir li koul jami. Et à très bientôt. Lina Chamlin, inshallah. Barakallah alik. Merci beaucoup. Barakallah alik. Merci beaucoup. À très bientôt, inshallah. Merci pour